Attention, les stations en fréquence pour le QSO du canal 27. Hein. Les bus 1351 à vous tous de la part de Dundee 33. Ah, il me semble entendre quelqu'un dans le lointain. Oui, la station là, qui lance appel dans le lointain, les 1313-51 à vous, voilà, de la part de Dundee 33, QTH, Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion, question la bataille. Oui, affirmatif, les bons 113-51, voilà, de la part de Dundee 33. Ok, Doudou, content de t'entendre. Eh bien, toi, malgré que j'ai un peu de QRM de mon côté, qu'il y a encore quelques restes là, de super propagne qu'on a eu aujourd'hui, bon, t'arrives à passer de mon côté. Là. Comment vas-tu? Ouais, ben moi c'est pareil, hein, c'est assez QRP là de mon côté. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que j'arrive à t'entendre quand même. C'est le cas, c'est bon. On va dire que c'est validé. Ah, chi. Alors, est-ce que normalement il devrait y avoir Eric là qui devrait commencer à se rapprocher de la station? Hop là, il y a un petit passage de propag, j'ai l'impression, et 73-51 la station qui vient de se présenter là sur le QSO, qui débute tout juste, de la part de Dundee 33 Sud-Ouest France. Bon, c'est un petit peu diesel, faut dire aussi qu'on est en période de vacances, bon, il fait beau là dehors. Là, on a encore une bonne température là en extérieur. Donc, les gens profitent pour sortir un peu, quoi. Bon, alors, Doudou, est-ce que t'as eu beaucoup de circulation aujourd'hui? D'après ce que j'ai pu voir, apparemment, ça avait l'air d'être assez chargé sur les routes. Enregistrer le break. Oui, la station, là, que j'ai eu du mal à te sortir. Les 1313-51 de la part de Dundee 33 pour le QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Il y a eu un break, les 73, Eric. Ouais, 73, Eric. J'espère que tu vas bien. Si je ne sais pas où tu es. Ok, 14 Alpha Tango, alors il y a Doudou 33 qui est là, il y a une autre station qui s'est signalée, il y a 14 Alpha Tango, trois petits points qui vient d'arriver, je crois que là ce soir avec la propague on va pouvoir se régaler, hein. Mais ça va être vraiment du tout azimut, on va aller à la pêche là ce soir. Ouais, il y a Doudou, il y a 14 Alpha Tango, 30 petits points en push mobile également derrière, Eric. Ah, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris qu'il y avait quelqu'un en push mobile derrière, mais c'est bien, il y aura des petits points.
Enclenche ton filtre, Hachi. Il n'y a rien à voir avec la filtre, je te dis, je t'entends avec une radio de appel 1, c'est grâce 2 pour te faire plaisir. Bon, ok, merci, c'est sympa de me faire plaisir. Hachi, trois coups. Ouais, bon, il y a des restes du propag, là encore, là, sur les départements français. Je sais pas si tu étais là, Eric, là, cet après-midi, mais c'est passé carton. C'est pas compliqué. Tony, qui est sur Orléans, pour te mettre un doigt dessus, c'est celui qui nous a mis une super ambiance vendredi soir, la veille du salon de Marraine, là, au restaurant, hein, là, qui faisait en même temps un direct, là, qui se baladait un peu partout. Et chez lui, à Orléans, je lui arrivais avec un Santiago de 9 plus 20, 9 plus 30, pour dire à quel point ça, la propag était vraiment là, quoi. J'ai pas fait du tout de radio cet après-midi, tu vois. Alors le poste, il était éteint, voilà. Aller-retour de nous. Là, je n'entends pas, Doudou. Voilà, c'est pas tout, Doudou, là. Tu vas arriver avec un bon signal et une bonne radio, là, je t'entends à peine. T'entends aussi fort que Rémi. J'ai compris ce que tu m'avais dit, je reviens tout de suite. Voilà, voilà, bon, ce soir c'est pas le temps que la propagation. Pas pour tout le monde, parce que là, de mon côté, là, j'entends des stations, justement, tiens, 14 Alpha Tango 32.1 en mobile, qui, justement, parle de surmodulation, donc, tu vois que, apparemment, oui, de ton côté, c'est pas le top, mais ailleurs, c'est l'art de l'être, hein. Mais alors, j'ai du mal à sortir, je ferai un mot sur 4. Ah, ok, ben ouais, c'est bizarre. Je sais pas si t'as des nouvelles de Michel, à moins qu'il attende derrière qu'on le fasse rentrer, Hachi. Je sais pas, j'ai compris que tu parlais, mais j'ai pas du tout compris ce que t'as dit. Ouais. Ben, je sais pas, si elle demande de faire rentrer, si elle demande derrière. Ok, bon alors les stations fréquences pour le QSO du canal 27, pour le sud-ouest, allez-y en avant. Bonsoir à tout le monde. Ah ben voilà, les 73 Michel, comment vas-tu? Oh, la fenêtre est ouverte pour que la fraîcheur entre, parce que avec la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui, vaut mieux se rafraîchir un petit peu quand même. Mais enfin, c'est vrai que Eric, bon, lui, il doit pas m'entendre, parce que moi je l'entends petit, mais toi tu passes bien, hein. Mais vous avez le département 45 qui vous a appelé aussi, puis je ne sais pas, il y a un deuxième aussi. Mais j'étais loin, j'étais petit quand même. Hein. Ok, département 45, donc il y a des chances que ce soit Tony que j'ai eu justement là cet après-midi en fréquence, chez qui j'arrivais avec un bon Santiago 9 plus 20, 9 plus 30. Ben là, je suis en train de travailler sur l'ordinateur, là, sur une vidéo. Là, je suis en train de faire un petit montage, justement, ma vidéo que j'ai fait en direct sur Facebook, plus la sienne, plus celle d'un autre OM. Je suis en train d'assembler tout ça, là, sur l'ordinateur, justement, parce que là, c'est vrai que là, ça passait vraiment, vraiment bien cet après-midi. Hein. Ah oui, oui, mais je te signale que tantôt, avec Jean-Jacques du département 67, la Moselle et compagnie, il y avait la Belgique qui arrivait plein pot. Il y a eu une période où la propagation était très très bonne, hein. J'entendais à peu près tout à l'imite, mais après bon, la propagation est tombée, et puis ce soir il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, pourtant, là, j'ai entendu là de quelques stations dans le lointain, là, derrière. Là, c'était assez QRP, dont un mobile 14 Alpha Tango, 3 petits points. Une autre station aussi, il y a Doudou 33 qui est derrière, qui est apparemment rendu sur son QTH, d'après ce que Eric là, a dit. Et
Ouais, vers les 15h dans ces eaux-là, oui. Ah ouais, là, dans cette tranche-là, ça passait, mais il fallait voir comment. Hein. C'est hallucinant comment ça passait, quoi. Là, j'avais une bricole à faire cet après-midi, je suis sorti, mais au retour, je suis allé vite là sur la colline à côté de chez moi. Et puis allez, hop, c'est parti à attraper des QSO, à naviguer un peu à droite à gauche sur les fréquences pour voir à peu près qui y a, pour breaker et tout ça. C'était vraiment génial hein, cet après-midi. Je fais un retour sur... zut, je m'étrangle. Je fais un retour sur Eric pour voir s'il t'entend. Eric, retour de micro pour Michel. Ouais, ok. Michel, je l'entends. Mais comme toi, 1 sur 3, 1 sur 4, voilà. 73 minutes, tu m'entends et le staff qui va bien. Ça va, mais oui, on a toujours nos difficultés d'écoute habituelles. Là, je t'entends bien, mais ça, sur ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, tu vois, tu passes moins fort qu'hier soir sur le 530. Je ne sais pas si t'étais en directive ou en verticale hier soir, mais alors hier soir, ça passait plein pot. C'est vrai que Jeannot, il s'est amusé un bout de temps, hein. C'est pas couché de bonheur, hein. Et on a terminé, c'est moi qui ai terminé avec lui pour lui demander s'il allait voir et tout. Alors t'as qu'à voir. Et il était plié de rire. Parce que je fais beaucoup d'écoute. Comme il y a beaucoup de monde, alors c'est pas la peine. Et puis, il y a ton copain là, qui vient faire le con de temps en temps, alors c'est pas la peine de le quitter en plus, tu vois, de qui je vais vous parler. Ouais, bien apparemment, il m'a pas compris, c'est pas grave. Jean-Jacques, tu essayes de suivre la Moselle? Attends, Rémi. Ok, j'ai les oreilles grandes ouvertes. Enregistrer la Corse du Sud. Ok Eric, les 73-51 à toi, en espérant que demain soir ça aille mieux pour toi. J'ai cru entendre Tony, justement, de la région centre derrière. Il y a le QSO centre qui est actif, donc voilà, les stations qu'on entend derrière, on sait où ils sont, Michel. Ah, mais il est en directif, Jean-Jacques, lui aussi. Mais il attend beaucoup de monde, il passe au-dessus de vous, il entend l'Espagne et compagnie qui vous surmodulent. Ouais, il y a eu pas mal, il y a eu plusieurs stations là qui sont arrivées, là, avec la propague. Du coup, là, je sais pas qui est qui, hein, je suis trois coups. Ouais, non, mais je comprends bien. Mais je veux dire que là, moi, ici, là, au QIRA, en plus, le web SDR, pour l'instant, est en carafe. Donc là, je peux même pas regarder l'activité dessus. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est le temps que Ludovic règle son problème d'alimentation, parce que c'est ça qu'il a comme problème. C'est l'alimentation externe de son PC portable qui gère le WebSDR qui a lâché. Quoi. Et curieusement, il doit y avoir une épidémie là en ce moment. Puisque hier soir, c'est celle de mon portable, moi, qui a lâché. Alors toi, après un mois et demi d'utilisation, paf, ça y est, elle a déjà claqué, quoi. Ouais, super. Donc là, vite cet après-midi, de retour au magasin, pour reporter l'alimentation qui est quand même sous garantie. Un mois et demi, quand même, c'est la moindre des choses. Vite, j'ai repris une autre alimentation pour pouvoir avoir le PC en marche à nouveau, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça que je soupçonne une épidémie derrière ça, quoi. Je suis trois coups.
Attends, on va essayer le QSO centre. Attention, les stations de QSO centre pour le QSO du sud-ouest. Ah, le Roger, oui, je reconnais Roger Bip, soit de 9009 ou 7009, les 73, la station. Bon, ben, c'est pas grave, il veut pas prendre les micros. Attention, les stations là, du QSO, de QSO au centre pour le QSO du sud-ouest. Bon, j'entends un peu gazouiller derrière. Bon, il y a quelqu'un qui vient de basculer en AM. Bon, c'est pas grave. Bon, à part les effets un peu sporadiques là des QSO là qu'il y a là dans le lointain derrière, Michel, Eric là est passé QRT. Hein. Il entend pas tout le monde, donc il est passé QRT. Attends deux secondes. Oui, la station qui lance appel pour le QSO national du canal 27. Oui, en avant avec les bonnes 73-51 du QSO national du sud-ouest. Oui, la station en avant pour le QSO national du sud-ouest. Bon, apparemment, Michel, c'est un autre QSO du canal 27 sur une autre région qui l'a attrapé, quoi. Oui, parce que c'est pas le premier hein, qui arrive là depuis qu'on a commencé là, j'en ai entendu quelques-uns hein, passer les appels dessus. Hein. Ah, ça c'est très vrai. C'est sûr que c'est toujours mieux de prendre le micro, d'apporter justement ces sujets de conversation qu'il a de participer au QSO, c'est quand même nettement mieux, parce qu'au moins ça permet de partager les idées, ceci, cela, ça permet de parler de tout, que ce soit la pluie du beau temps comme du technique. Et c'est sûr que ça serait nettement mieux, quoi, plutôt que de rester comme ça en écoute, là, derrière la porte. Mais bon, que, de toute façon, les OM qui trouvent ça dommage qu'il n'y ait plus le WebSDR de Bordeaux, là, pour le moment, bah, il n'y a qu'une solution pour faire avancer ça, c'est d'acheter une nouvelle alimentation à Ludovic. Parce que s'il ne l'a pas encore fait, c'est parce que là, il ne peut pas, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez retrouver rapidement le WebSDR de Bordeaux, achetez-lui une nouvelle alimentation. Voilà. Et si c'est fait demain matin, demain soir, il y a de fortes chances que le WebSDR soit en route.
Je crois qu'on a quelqu'un là, un pas content qui doit être en AM. Parce que là, il m'a enlevé les QRM, là, juste avec un petit Santiago de 1 là derrière. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le mode de modulation qu'on utilise peut se faire n'importe où en fréquence. On est sur les 40 canaux. Pourquoi on est sur les 40 canaux? Justement pour rebooster un peu plus l'activité qu'il y a de ce côté-là. Et quoique cet après-midi, vers les 15h, 15h30, quand j'étais sur la colline en QSO, là, en push, je suis descendu en AM, et sur le 19, tiens-toi bien, j'ai tenu les mêmes QSO qu'en BLU, hein, puisque je croyais avoir Doudou 33 en fréquence, là, et en fin de compte, c'est quelqu'un du 59, je crois, également en 1000 pattes, là, qui m'a répondu, hein. Donc, et puis il y a eu d'autres stations, j'ai enfilé les contacts aussi facilement, avec les QRM en plus évidemment, mais j'ai enfilé les contacts aussi facilement en AM qu'en BLU. Hein. Donc il y a du monde. Hein. Oui, mais celui qui te fait du bruit, là, ce sont des Allemands que tu vas derrière toi. Ah ok, ouais voilà, j'ai le nom, là, le QRZ de la station là que j'ai pris pour Doudou 33 là, devant les yeux, c'est Camembert 59. Voilà, donc c'est bien ça, il était sur Dunkerque. Et en faisant le tour des canaux et tout, ça, j'ai eu plusieurs stations, justement, qui étaient d'un peu partout. Alors quand je vois des stations dire de toute façon il n'y a plus personne sur les 40 canaux, ben faut écouter et puis faut être patient. C'est pas parce qu'on va faire juste un seul tour de galette que ça y est, faut en déduire qu'il n'y a personne. Puisque c'est parce que certains ne voient pas, c'est que quand ils passent d'un canal à l'autre, il suffit que ça soit en même temps entre le passage d'un micro à un autre. Et ça donne l'impression qu'il n'y a personne, alors qu'en fin de compte, eh bien si, hein, d'ailleurs j'ai la vidéo qui est toujours en préparation là sur l'ordinateur, j'ai pas fini là de couper, recouper, mais on voit bien dedans qu'il y a du monde en AM comme en BLU, hein. Là c'était quasiment du kiff pareil, ouais. Les stations fréquences pour le QSO du sud-ouest du canal 27 en avant. Oh oui, vu le bruit, c'est de la FM, ça, Michel, hein, t'as raison. Ouais, il y a la propa qui est en train de monter méchamment là. Putain, là tout à l'heure, là, désolé pour le gros mot, tout à l'heure on a pu pouvoir se copier là comme c'est là. Oui, là, je viens de basculer, là, en FM, là, vite fait. Ouais, il y a l'Allemagne, là, qui nous passe, là, qui nous arrive plein pot, là. Ils sont aussi en QSO, là, de leur côté, mais QSO FM.
Ok, ben moi c'est pareil, j'ai pas l'air de l'entendre. Oui, le break, en avant le break pour le QSO du Sud-Ouest. Pendant que j'y pense, Michel, le week-end que tu nous as parlé, là pour chez toi, je vais pas pouvoir de mon côté, je serai en famille. Oui, mais de toute façon, j'avais des invités qui, malheureusement, il y a eu une disparition dans la famille. Ouais, ouais, désolé, mais là, c'est, y a des fois, on peut pas être partout, quoi. C'est, faut se relever un peu le pied, et puis, là, non, mais c'est vrai que là, en plus, ce sera réunion familiale. Donc, là, non, je peux pas être partout, là, désolé. Ok, merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres stations là pour le QSO là, du canal 27? Le secteur de Toulouse, par exemple. À Michel de Toulouse, de toute façon, pour le moment, c'est lui qui a perdu son père. Alors pour le moment, la radio. Ah, zut. Okay. Ouais, bon, là, on a fait une petite demi-heure de QSO. À moins que tu aies quelque chose à dire, là, Michel. Mais je crois que, pour ma part, j'ai passé là, je vais retourner à mes occupations et puis on verra demain soir. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, j'allais te le proposer. Alors, les grands esprits se rencontrent. Allez, sur ce, le bonsoir, des amitiés à madame, si tu me le permets. Je te dis à demain soir. Ok, merci. Les bons sont 13:51 à toi. À demain soir et puis certainement dimanche matin peu possible aussi. Merci, bye. Allez, c'est moi qui te remercie. Bye bye.